Salut à tous les internautes, aujourd'hui nous allons nous intéresser à une chronique spéciale funk. Ceci est une chronique spéciale pour les amateurs du funk rock éclairé ou bien les petits curieux que vous êtes. Je souhaiterais partager avec vous quelques souvenirs de concerts au travers de mon expérience. Cela fait longtemps que j'y pense. Je voudrais partager avec vous mes sorties, mon goût et tendance pour le funk rock durant mon adolescence. Alors n'attendons pas, découvrons de suite la panoplie de concerts auxquels j'ai pu assister. En 2001... On peut dire que c'était l'année du funk sur les scènes françaises. On pouvait voir George Clinton, Maceo Parker, Colin the Gang, et puis des groupes français comme Daoud, Juan Rossoff, Sinclair. Je possède une certaine nostalgie de cette période. Cette énergie, force, provenant de la musique américaine, cuisinée à la française. Avec mes camarades de lycée, on trouvait que cette musique possédait un goût prononcé pour la musique américaine. Et les paroles provoquaient sans aucun doute le sourire au coin pour les auditeurs. Pour rentrer dans le sujet, je me rappelle avoir écouté la radio un soir sur FIP dans la bagnole, et là, il y avait une annonce pour le concert de Tower of Power à la Cigale, le vendredi soir qui allait arriver. La vente et réservation se faisaient par téléphone auprès de la salle de spectacle. Une fois rentré chez moi, je réserve le ticket pour le vendredi soir. C'était en 2000. J'étais quand même assez joie pour vous dire. Le groupe Tour of Power jouait ce soir-là l'album célébrissime Rhythm and Business de 1997. Juste par le titre. Ça promettait. Évidemment, dans l'album en question, il y avait une des plus belles ballades du Rhythm and Blues qui s'intitulait Unconditional Love. Je suis sûr que vous la connaissez cette chanson. Elle passe de temps en temps à la radio, plus rarement aujourd'hui toutefois. Et l'ont jouait ce soir-là, une version magistrale, somptueuse de la ballade Unconditional Love. Le chanteur, au top de sa forme vocalement, était plutôt d'une allure souriante, humeur carrément joyeuse et déterminée. Puis, les rouages de la machine Rhythm and Blues Funk s'étaient Enclenché. Le duo bassiste-batteur marchait à merveille. Tout simplement fabuleux. Au niveau de la perfection, de la cohésion, de la section de cuivre à couper le souffle. L'ancrage dans le groove de la section rythmique atteint des niveaux de perfection inégalés. C'est là qu'on sent les répètes derrière. La concentration sérieuse des musiciens. Petite note pour What's Your Trip qu'ils ont joué en mon cas. N'hésite pas d'écouter ce morceau pour danser. C'est carrément cool. L'été 2001, je suis allé au festival Solidays. Je pense que les jeunes apprécient ce festival aujourd'hui par sa diversité et son enthousiasme artistique. J'ai pu voir George Clinton jouer ses classiques avec ses complices comparses de toujours. Des costumes funky, violets, rouges, oranges, des méga chapeaux haute forme, les lunettes noires étaient de rigueur. Le groupe était une bonne dizaine, voire plus. Il y avait trois guitaristes, dont un en couche culotte à voir en photo ou en live vidéo. Génial. Une section rythmique à toute épreuve. Une belle énergie, symbiose entre le public et les musiciens. Le public reprenait en chœur les chansons funk du maître George Clinton. Le leader laissait tout de même la place aux musiciens des solos, des envolées instrumentales bien rock qui haussaient l'énergie d'un cran. Et puis le soir d'après, and the Gang est passé. Groupe très professionnel, jouant leurs morceaux, leurs tubes à la perfection, limite comme des robots, comme des copies conformes de leurs albums. Seulement les parties de solo avaient changé. Normal quand même. Ils ont joué Cherish the Love, She's Fresh, Get Down on It, Celebration. Youhou! La soirée, ça promet. Petite note, le bassiste jouait tantôt avec sa basse, tantôt avec un clavier synthétiseur basse. Ce qui est quand même hyper novateur à leur époque. Aujourd'hui, c'est demandé souvent au bassiste de jouer la basse synthétiseur. Le groupe était en costume de 1000 paillettes, les éclairages reflétaient les sentiments. C'était pas mal à voir. D'ailleurs, genre à 18h avant les Collins The Gang, je me rappelle, il y avait la chanteuse et le groupe Morshiba qui passaient au passage. Ambiance trip-hop provenant de la Grande-Bretagne. Et oui, en 2000, c'était à la mode le trip-hop. Des artistes surfaient sur la vague, électro-pop, blues, musique très cinématique entre nous. J'ai pu voir Juan Rossoff. Je suis allé le voir trois fois en concert. Le live que le groupe avait concocté, la qualité d'interprétation était à tomber par terre. Une cohésion de groupe formidablement bien travaillée, des mises en place et breaks interprétés au taquet, ces musiciens étaient vraiment au top niveau. Cet artiste a des allures de prince bien affirmées, tout simplement épouse de flanc. Retour en arrière. On rembobine jusqu'en 1998. C'était le concert de Sinclair. D'ailleurs, il a enregistré le live ce soir-là. Il a interprété son album La Bonne Attitude, ses chansons réglées au millimètre avec une énergie rock-funk à couper le souffle. Ça se passait au zénith. La salle était bondée. Les fans étaient bien présents. Soirée inoubliable. Dans la même salle, Casey A. Jones est passé en 2003. Il interprétait live son album Aphrodisian. C'était juste incroyable. En plus, il a fait le show en trio, basse, batterie, guitare, un mélange de nonchalance et de maîtrise du blue funk très communicatif. Ça grouvait de façon terrible. La cohérence guitare-voix est maîtrisée à merveille de façon enchanteresse. Ça devenait presque magique. Tu sais, il a joué 72 Kilos. Entre autres, ça marchait d'enfer avec la sonorisation très punchy de l'ingénieur du son. Un petit replay dans mes souvenirs via 2005. Sinclair est passé au théâtre de Massy. La plaquette annonçait un concert jazz de Sinclair. Le live s'est prononcé plutôt électro-acoustique sous des lumières soul-pop bien assimilées. Le groupe était confiant, placé sous les meilleurs auspices. De bonnes vibrations positives, le public s'en est enivré. Ils ont joué Supernova, un des plus beaux morceaux pop électro-funk de Sinclair. C'était cool N'oublions pas, comme groupe français de rock-funk, FFF Bien sûr, ils sont passés le jour de la fête de la musique à la place de la Bastille en 1999. Ambiance festive à l'horizon. Un Marco Prince aux chante comme un soul rock man aguerri. Une énergie rock consentie. Les musiciens étaient habités par leur musique. Un moment vraiment sympathique. Un live défini tel un mélange de zénitude et de groove rock à l'image du groupe. Un yaorol à la guitare et nictus à la basse au sommet de leur art. N'oublions pas pour finir Maceo Parker, l'un des meilleurs musiciens Soulman inspiré en funk, qu'un prince vitaminé selon moi, Solid Solidays de juillet 2001, avec son neveu Corey Parker qui scandait, rapait sur sa musique funky à tous les étages, Rabbits in the Pea Patch. À découvrir absolument pour les amateurs de funk, l'album DL Maceo d'avril 2000, condensé d'énergie positive au pluriel bien sûr un choc musical de groove et de funk, d'originalité au niveau mélodique et harmonique. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié ces pérégrinations et sorties, et que cela vous donne l'envie de sortir, d'apprécier des bons vieux lives entre amis. A plus.